En effet, peu après, Napoléon accordait un traitement à la reine et pour ses charités, il lui octroya en même temps un crédit spécial. Ma fille, ayant destiné pour cette année un fonds de 60 000 francs pour soulager les pauvres veuves et enfants de mes soldats et autres pauvres de mon empire, j'ai ordonné à mon grand maréchal du palais de tenir à votre disposition un crédit de 5 000 francs par mois. Ces 5 000 francs seront distribués sur vos mandats aux personnes que vous désignerez. Votre affectionné père, Napoléon, des mots. Camp impérial de Valladolid, le 13 janvier 1809. Un voyage à l'étranger, le 13 avril 1809. L'empereur partit pour l'armée, et maintenant, Joséphine qui laissait Strasbourg. Hortense quitta son tour Paris le 27 avril pour rejoindre sa mère. Le climat d'Alsace ne fut pas favorable à sa santé. Elle voulut essayer des eaux de bade et se rendit dans cette ville avec ses deux fils. C'était enfreindre les ordres de l'empereur qui se posait ainsi que les jeunes princes sortissant de France sans sa permission. Quand il apprit le faux, il adressa à la reine une lettre que aussi et qui lui fut transmise par Joséphine. Ma fille, je suis très mécontent que vous soyez sortie de France sans ma permission et surtout que vous en ayez fait sortir mes neveux, puisque vous êtes tous au débat de rester, mais une heure après avoir reçu la présente lettre renvoyée maintenant à Strasbourg auprès de l'impératrice. Ils ne doivent jamais sortir de France. C'est la première fois que j'ai lieu d'être mécontent de vous. Mais vous ne deviez pas disposer de mes neveux sans ma permission. Vous devez sentir le mauvais effet que cela produit, puisque les eaux de Bade vous font du bien. Vous pouvez rester quelques jours, mais je vous le répète, ne perdez pas un moment pour envoyer mes neveux à Strasbourg si l'impératrice va aux eaux de Plombières. Ils l'y accompagneront, mais ils ne doivent jamais passer le pont de Strasbourg. Votre affectionné père, Napoléon, à Eberstorf, le 23 mai 1809. Hortense s'est soumise dès le début de juin 1809 avec ses enfants. Elle était à Plombières, où elle devait rester 4 mois. Dès sa halte à Louis-aubière, l'empereur lui suit sucré. Ma fille, j'ai reçu votre lettre Plombières et je verrai ce qui bat de commencer. Je prends avec plaisir que les grands ducs de Berg et les petites se portent bien. Tâchez de vous rétablir entièrement et ne doutez jamais de mes sentiments. Pour fictionner Père Napoléon, le 19 juin 1809. Retour en Hollande. Après le mariage de Napoléon et de Marie-Louise, un compromis s'établit entre les deux époux. Hortense consent rentrer en Hollande, elle fait ses adieux à l'empereur à leur compagne le 11 avril 1810. Elle arrive à Utrecht le 14 avril à Amsterdam le 24 du même mois. Ma fille, j'ai reçu votre lettre. Je suis bien aise que vous soyez arrivée avec vos enfants en bonne santé. Je pars demain pour Anvers où je serai le 1er mai. J'aurai là de vos nouvelles. On m'assure que vous êtes contente du roi et de la Hollande, ce qui me fait grand plaisir. Votre affectionné père, Napoléon, accompagne. Compiègne, le 26 avril 1810. La réunion du roi et de la reine devait être de courte durée. Le 21 mai 1810, Hortense quitte Amsterdam pour les Loups. Elle ne reste que quelques jours dans cette résidence royale et le 1er juin, elle se met en route vers Plombières où elle arrive quelques jours plus tard. Elle y reçoit l'affectueuse lettre suivante. Ma fille,
Je prendrai avec plaisir votre arrivée à Plombières. Je désire que les eaux vous fassent du bien. Tâchez de vous y amuser. Soignez votre santé et ne vous faites point de chagrin des choses qui ne doivent plus vous en faire. Vous ne devez jamais douter de mon amitié ni de mes sentiments. Votre bien affectionné père, Napoléon, à Saint-Cloud, le 12 juin 1810, l'abdication de Louis. Le 1er juillet 1810, le roi Louis a abdiqué la couronne de Hollande en faveur de son fils. Sous la régence de la reine, Napoléon écrivit à Hortense, encore Plombières, la lettre qui voici. « Ma fille, vous aurez reçu un courrier de Hollande qui vous aura fait connaître les nouveaux actes de folie du roi. Je suppose que vous m'aurez communiqué tout et que vous n'aurez rien répondu jusque-là. Je vous écris. » Aussitôt que vous me remontez ce qu'on vous aura écrit, ma volonté est de réunir la Hollande à la France. Je vous enverrai copie de la lettre que vous devez écrire à la régence si déjà vous ne lui avez répondu. Je pense qu'il est convenable que vous envoyiez de vos officiers pour chercher le prince royal. Vous le ferez venir à Plombières si vous devez rester quelque temps, sinon vous pourrez aller à ce rencontre jusqu'à l'équipe de là, le ramener à Paris. Émancipé par l'acte du roi, vous pourrez vivre tranquillement à Paris. Il me reste à apprendre que votre santé est tout à fait rétablie et que vous n'avez plus de sujet de peine. Votre affectionné père Napoléon a remué le 8 juillet 1810, au moment où elle reçut cette dépêche, Hortense venait d'être mise au courant des actes du roi par une lettre de Madame de Bouber, restée en Hollande près du prince Napoléon Louis, dont elle était gouvernante. Elle répondit à l'empereur, « Si je n'ai reçu qu'un courrier de Hollande, seulement une lettre de Madame de Bouber qui m'annonce le départ du roi, j'ai joint cette lettre à la mienne et j'allais l'envoyer à votre majesté quand j'ai reçu son courrier de lui demander ce qu'il faut que je fasse car je ne veux jamais faire que ce qui lui plaira, j'envoie Monsieur de Marmont chercher le prince et l'amener près de moi, puisque votre majesté le permet. Je ne serai pas encore assez bien pour aller jusqu'à l'aigle. Cependant, si votre majesté tient à quelque chose, je suis mieux, je ferai toujours ce qui lui sera agréable. La pensée de vivre tranquille près d'elle est ce qui peut me rendre les plus heureuses et j'ai l'appris de croire que ce sera toujours le vœu de sa fille, Hortense. »